Aujourd'hui, nous organisons les rendez-vous de la double compétence. Nous avons choisi un thème qui nous tient particulièrement à cœur, celui de manager. Nous avons choisi d'accueillir trois managers reconnus, trois managers passionnés, en fait, pour animer cette table ronde. Je suis avant tout venu partager un petit peu de temps avec des étudiants sur le thème du management, leur donner quelques pistes, quelques conseils pour qu'ils puissent s'en sortir dans leur carrière future. Le management, pour moi, c'est beaucoup des qualités humaines. C'est beaucoup d'écoute, pas notamment d'imposer sa volonté, mais plutôt d'écouter celle des autres et de prendre les bonnes décisions. On est vraiment le pilote de son équipe et pas obligatoirement celui qui sait tout. Il s'agit vraiment d'être à l'affût, d'être toujours ouvert, donc d'essayer d'avoir plusieurs fonctions en même temps, ou en tout cas de s'intéresser au-delà du cadre du job actuel. Et il y a une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise à justement avoir des personnes capables d'être crédibles dans un métier comme dans un autre et de faire justement un peu le rôle de passerelle entre ces différents métiers. Un manager est bien adapté à un endroit ou un lieu par rapport à son histoire, sa compétence, son équipe. Il suffit qu'un paramètre change et tout de suite, il est moins parfait. Donc c'est plus, est-ce que je suis le bon manager ou le manager parfait pour ce moment-là ou pour cette équipe-là. C'est important pour nous d'organiser ce type d'événement puisque cela permet à nos étudiants, mais aussi à nos anciens, nos professionnels, de venir échanger autour d'un thème qui va largement au-delà de ce qui leur est apporté dans le programme. Ces thèmes leur permettent d'aborder des questions qui leur seront utiles aussi plus tard dans leur carrière et qui leur permettront d'évoluer.